Salut à tous, j'espère que vous passez un bon moment là où vous êtes, avec qui vous êtes et là où vous trouvez. Et c'est le thème de cette vidéo du jour, tiens donc, comme par hasard. En fait, c'est cultiver une sorte de bien-être, peu importe où on est, peu importe où on se trouve. Et là, il y a une petite bestiole qui vient de me cogner le visage pour me dire réveille-toi, sois présent. Si on arrive à bien la voir. C'est juste que parfois des choses nous arrivent en plein visage. Et quand on cultive plus de présence, plus de conscience, on arrive à ne pas en faire tout un drame. Je ne me suis pas mis à hurler, à me secouer pour l'enlever complètement, cette petite bête. C'est un super bon exemple pour vous dire, peu importe ce qui vous arrive en pleine gueule, l'idée, c'est de savoir comment on va y répondre. Vous voyez, les difficultés, les drames de nos vies, et il y en a, c'est vrai qu'il y a des choses difficiles qui nous viennent, et c'est pas toujours facile d'y répondre d'une bonne manière, et parfois on n'y arrive pas, et c'est ok de ne pas y arriver tous les jours, hein, au passage. Mais l'idée, c'était de se dire quel niveau de conscience je vis présentement pour pouvoir répondre à ça. Et quand tu n'en arrives pas, effectivement, c'est que y a plus de conscience à cultiver, entre guillemets. Et donc c'est un peu ça que je vous invite à faire pour vous sentir bien dans votre environnement en tout temps. Et peu importe ce qui va vous arriver au visage, vous verrez qu'avec plus de conscience, avec plus de présence, avec plus de calme et de paix intérieure, avec plus de vitalité en fait intérieure, vous allez pouvoir surmonter les obstacles, surmonter les défis, passer à travers justement les challenges de la vie, les coups dans la gueule qu'on peut prendre effectivement et que la vie amène. Et c'est tout à fait naturel qu'il y en ait. Comme c'est tout à fait aussi naturel qu'il y ait des bons moments. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite tous de passer des bons moments et de surmonter les difficultés, surmonter les moments plus délicats. Voilà. Et je vous dis à la prochaine, moi et ma petite bête qui est restée pour nous tenir compagnie pendant cette vidéo, n'est-ce pas? Allez, bon dimanche à tous et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci de liker, de partager, comme d'habitude, pour me faire connaître. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a les séances de méditation de groupe. Et puis bien sûr, il y a les séances individuelles. Allez, à plus. Bye.